bougé dans une soirée au mois de septembre avec une grande chanteuse angolaise, Donaline Alchandre. Qui est... En plus, elle est très bonne, la musique angolaise. Hein. J'ai écouté un petit peu quelques... Je suis tombée sur un truc, j'ai dit, c'est pas possible, c'est génial. C'est dommage qu'on ne connaisse pas, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, je compte inviter Donaline Alchandre. C'est une très grande chanteuse angolaise et africaine, parce qu'elle est connue dans tout le continent africain. Et puis, d'autres chanteurs de Kizomba et de Kuduro qui représentent bien la musique angolaise et des artistes, des danseurs pour que, voilà, pour que ça soit une soirée culturelle. Et pour que, dans le but justement de récolter des fonds pour mon association qui s'appelle Un Avenir, Un Sourire pour les enfants d'Afrique. Donc dans le but de faire un voyage en Angola pour amener des vêtements, des jouets, toutes sortes de choses pour les orphelinats et justement pour voir poursuivre dans les autres pays africains si Dieu nous le permet. C'est vrai que nous les jeunes africains qui sommes nés ici ou qui avons grandi ici, on a une très mauvaise image quand on part dans le pays. On a beau aimer parce qu'il fait super beau, il y a la plage et tout, mais après on se plaint beaucoup de la manière dont les gens qui sont au gouvernement et gouvernent le pays, comme le pays n'est pas structuré et tout. Je pense que c'est vrai, je ne dis pas le contraire, mais si on a envie que ça avance, je pense qu'il faut mettre du sien. Je pense que c'est important que nous on s'investisse là-dessus pour que justement il puisse avoir un changement, parce que si nous on ne fait rien, ça restera toujours comme ça, ils seront toujours les mêmes personnes et on se plaindra toujours, exactement. Donc dans le but aussi de nous faire un peu changer notre état d'esprit, de voir un peu, d'avoir une vision constructive justement pour le continent africain et non pas juste pour un pays africain, mais pour le continent africain. J'appelle à toute la jeunesse africaine ou autre de justement se battre et s'investir juste dans le continent, parce que c'est un continent qui pleure encore à l'heure d'aujourd'hui, pleure beaucoup, qui souffre encore beaucoup. Et malheureusement, il y a très peu de gens qui s'engagent à faire quelque chose pour qu'il arrête tout simplement de pleurer. Non, 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 il est temps de sécher tes larmes. Oui, 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 lève-toi, ma trouble Afrique. Non, 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 il est temps de sécher tes larmes. Oui, 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 lève-toi, ma trouble.